Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des deux cela. Donc il y a, je pense il y a une semaine que je vous ai parlé du jus de pastèque. Donc voici, quand vous faites le jus là, vous filtrez, voici ce que ça donne quand vous le laissez reposer, ça donne ceci. Voilà qui c'est presque, c'est comme si c'est lourd, mais en réalité ce n'est même pas le régal. Vous voyez comment ça fait. Voilà. Donc c'est ce que vous prenez. Une cuillerée à soupe le matin et une cuillerée à soupe le soir, de préférence à jeun, comme j'avais dit dans la vidéo. Donc si ça ne vous avez essayé une fois et que ça ne marche pas, une cuillerée à soupe, vous pouvez ajouter une cuillerée et demie à soupe. Bon, voilà encore autre chose que j'ai trouvé, du miel. Du miel, vraiment, c'est très bien. Et ça lie deux personnes. Le miel là, que vous allez prendre, vous allez imbiber votre sexe avec. Faire l'amour avec, non? Donc, vous n'allez pas attendre une minute. Vous n'allez pas attendre 30 minutes ou une heure pour faire ça. Vous faites ça quand vous avez besoin. Vous faites ça, vous imbibez votre sexe ou bien celle de la dame. Et ça, et le miel, là, ça relie deux personnes. Vraiment, ça va. Du miel, non seulement, vraiment, ça tient. C'est vraiment, même si vous avez vraiment l'éjaculation précoce, je pense que rien que du miel, si là, vous allez tenir un peu plus que 5 secondes, que 1 minute, quoi. Et si vous mélangez encore les deux, si là, donc ça veut dire que vous buvez ça, une cuillerée, là, vous allez prendre une cuillerée à soupe que vous allez boire une heure avant et vous imbibez votre sexe avec ceci, avec du miel. Vraiment, vous allez venir me dire, témoigner, vous allez venir me témoigner. Puisque c'est quelque chose que moi-même, j'ai dit bien, moi-même, j'ai essayé. Donc, ça marche, bien sûr que les gens sont différents. Les corps des gens sont très différents. Mais essayez, vous allez venir me dire, j'attends vos commentaires. Hein. Voilà un peu ma petite vidéo. Donc, et en plus, je remercie aussi mes nouveaux abonnés et les anciens abonnés qui sont de plus en plus nombreux, surtout les hommes. Et il y a aussi une fille qui s'est plainte que pourquoi... C'est seulement des hommes que j'ai fait des vidéos. Non, c'est aussi les femmes. Hein. Donc, nous aussi, les femmes, on peut aussi... Toutes les vidéos que j'ai fait là, on peut aussi prendre. Donc, que ce soit concombre ou bien jus de pastèque ou bien du miel comme ça, là, ça, c'est très bien. Je conseille même ça, du miel, beaucoup aux femmes. Si vous voulez vraiment garder votre homme, je vous conseille ça. Ça, c'est vraiment très bien. Vous mettez ça juste un peu. Je n'ai pas dit de mettre beaucoup, juste un peu. C'est qu'il faut un peu, juste un peu. Et vous allez voir que vous allez tenir un peu plus que d'habitude, quoi. Voilà un peu ma petite vidéo. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez vous abonner, c'est vraiment gratuit. Encore récapitulatif. Donc, une cuillerée, ici, là, du jus de pastèque et du miel que vous allez un peu imbiber sur votre sexe. Avant là, mais ça c'est à une heure. Donc le matin il faut prendre ça à jeun. À jeun, le soir aussi, à jeun avant de manger. Voilà, mais il faut vraiment faire ça quand vous avez vraiment envie de faire l'amour. Hein. Que ce n'est pas que c'est tous les jours. Donc pour ceux qui ont vraiment, ils veulent vraiment, comment dire, soigner leur éjaculation précoce, ce n'est pas ça. Donc ça c'est, j'ai une vidéo que j'aimerais bien poster, mais je ne sais pas s'il faudra que je poste ça ou pas, parce que c'est la vidéo qui ne paye pas, c'est la vidéo vraiment que nous qui postons ce genre de vidéos, on ne gagne rien dans ça. Ça je vous dis la vérité, c'est vraiment le partage gratuit. Je dis bien que ça c'est un partage vraiment gratuit. Bon, voilà un peu ma petite vidéo. Donc, si vous avez des questions à poser encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.